bienvenue sur Motors and Passion. Aujourd'hui, nous sommes là pour le rallye du Mont Blanc. Et pourquoi le Mont Blanc? Parce qu'on n'y est pas, tout simplement. Ici, t'es pas loin de Morzine. Le Mont Blanc, c'est à 50 bornes d'ici, quand même. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le rallye du Mont Blanc alors qu'on n'est pas sur le Mont Blanc? Alors d'abord, le Mont Blanc c'est quand même un coin, on n'est pas très très loin du Mont Blanc. Hein. Ouais. Et puis à l'origine, le rallye démarrait du côté de Chamonix, donc il était vraiment au pied du Mont Blanc là. Okay. Et puis l'ASAC qui organise, c'est-à-dire l'ASAC, c'est l'association de sport automobile, d'automobile club du Mont Blanc. Voilà. Okay. Voilà. Bon, comme ça on a l'explication effectivement, parce que je me posais la question, c'était pas très logique. 74e édition, on est en Haute-Savoie, ça tombe très bien. Combien t'as de concurrents aujourd'hui? Alors, on avait ce matin au départ 209 concurrents modernes, 53 en VHC, ce qui court actuellement. Ah. Et après, on aura de la régularité. Le rallye du Mont Blanc compte pour le championnat de France des rallyes, première division, pour le championnat suisse et pour le championnat d'Allemagne des voitures électriques. Excellent! Combien tu as de bénévoles? Sur la spéciale, là, qui fait 19 km, on doit approcher les 70. Ouais, c'est énorme. Sans compter les moyens de secours qu'il y a. Oui, passé partout, je pense qu'on doit approcher la centaine de personnes. D'accord, bon. Sur 19 km. Et une petite chose très importante à tous les gens qui vont regarder cette vidéo, quand vous venez sur une épreuve de sport automobile, écoutez les consignes qui vous sont données par les commissaires. Il y a des endroits prévus pour vous mettre, c'est des zones spectateurs. Il faut savoir que sur les rallyes, en dehors des zones spectateurs, les spectateurs sont interdits partout pour des raisons de sécurité. Donc écoutez les commissaires, merci pour eux. Ils sont là pour votre sécurité. Je te remercie Laurent. Bon, comme tu l'as compris, t'es pas là pour faire n'importe quoi. Tu verras, il y a des zones rouges à ne surtout pas mettre les pieds. Si t'entends un coup de sifflet comme s'il y avait un pénalty. Ah, faute? Non, c'est bon. Des spectateurs mal placés. Ça sera pour toi mon pote, alors va dans les zones qu'il faut. Tu verras, c'est balisé, c'est tout bien fait. Quand on parle des voisins. Donc petite interlude, tu t'abonnes si c'est pas déjà fait, ça mange pas de pain et tu vas voir, ça nous aide. C'est sympa la Subaru derrière. Hein. Madame le maire, qu'est-ce que c'est compliqué d'organiser des événements comme ça quand on est maire? Parce qu'il y a énormément de sécurité, énormément de monde. Alors pour nous, enfin en plus on est une petite commune, nous on n'a pas les moyens de jouer à des grosses communes comme Morzine, mais là nous ça se passe très bien parce qu'en fait les organisateurs font ça de manière impeccable, donc on n'a jamais eu de problème. Excellent. Il suffit de leur dire bien comment faut organiser les choses, surtout vous voyez nous on est une route tout en lacets.
avant qu'ils montent. Hein. On a 7 lacets quand on habite là. On dit tu redescends 3 virages si tu t'es trompé. C'est la manière de calculer la distance des choses. Ceux qui peuvent monter, parce que le départ se fait au chef-lieu maintenant. Donc ceux qui peuvent monter, on va le laisser passer. C'est loin. Il y a juste un peu de bruit pendant la journée. Voilà. Alors, et les riverains sont compréhensifs. Les enfants à l'école ont un petit peu de bruit parce que du coup, on peut laisser l'école ouverte parce que ça s'y prête, donc il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais en fait, les gens de la côte, les Coutins, aiment bien le rallye. On entend 74, 74 pour les voisins. C'est vraiment sympa, quoi. C'est que ça dure. Bah, c'est une bonne ambiance en plus. C'est un joli rallye. C'est des belles spéciales. C'est vrai qu'on a une belle spéciale, mais on a la chance d'avoir quand même voilà, une route qui s'y prête bien. Bien sûr. Et regardez, en plus. Ouais, on a de la chance. On est souvent bien ensoleillé. Bah c'est super. Allez, bon, on va aller continuer à aller voir des images. Merci. En tous les cas, merci Madame Muffat. Les organisateurs et tous ceux qui travaillent là-dessus, parce que c'est un sacré boulot. Il faut quand même les remercier. C'est clair. Il faut féliciter tous les gens qui font qu'on puisse avoir des beaux événements comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Madame le Maire. Merci. Ou alors ton sous-marin, eh bien tu te laisses un petit coucou. Allez, à la prochaine.